Alors elle est tombée du ciel avec son blouson rose pâle. Elle est descendue au motel tout au bord de la nationale. Elle a mangé un peu et puis elle a mis la télévision. Elle repensait au pays, sa mère qui disait attention. Elle a cru l'espace d'un instant que tout serait toujours pareil, que rien ne changerait vraiment, qu'il ne ferait jamais plus soleil. Elle a frissonné le cœur lourd, elle s'est endormie tout habillée. Quand le réveil a fait un tour, elle s'est levée, puis réveillée. On l'a embauchée à l'usine, elle a désossé des poulets, fait la connaissance de Jocelyne qui lui a dit « Toi, si tu voulais ». Elle a repoussé des avances, fait tout bien comme il faut. Elle a su très vite qu'en France, elle aurait pas mieux qu'en boulot. Elle a traîné en profondeur, elle n'a pas vu venir la neige. Et même qu'on avait changé d'heure, elle a pensé « Qui suis-je? Où vais-je ?» Elle a fait les grandes surfaces 100 fois, elle a perdu le nord, en s'imaginant des palaces, un peu naïves sur les bords. Elle a marché sans but précis, juste pour voir jusqu'où ça va. Et à ce moment du récit, elle m'a rencontré. Moi. Et à ce moment du récit, on s'est embrassé. Là.